Ông quý chọc. Ông chủ đề phát cảm to cái tâm lạc cao nên tiếp thị tâm lạc cao. Hãy bắt đầu việc cao chung từ lưu cho cọng xong mặt lời với. Nên mấy to cả tăng xâm lô để đau chụp bộ và nẹ chụp nền. Merci, Monsieur le Président. Donc, Monsieur l'expert, vous avez indiqué quelles étaient les méthodes et les sources de vos travaux pour l'étude du centre de sécurité de Krang Tachan. Vous nous avez dit également avoir travaillé sur les deux autres centres de sécurité qui sont spécifiquement visés, qui entrent spécifiquement dans le champ នៅក្នុងវិសាលភាពនៃសន្តិសុខអនឡាញហើយនិងសំណុំមុនមុនដែរគឺថាខ្ញុំចង់ដឹងថាអេសគូវូសអាវីព្រីដេណូតអេសគូវូសអាវីសំណុំក្រោលយេសគូវូសអាវីដែលមានធ្វើកំណត់សារឬក៏បានថតកិច្ចសម្ភារៈដែលលោកបានធ្វើហើយតើលោកមានបានទទួលភាពសំផស្សតាងដែលមិនមានភ្ជាប់ជាឧបសម្ព័ន្ធនៃការងារស្រាវជ្រាវរបស់លោកដែរឬទេតកតងទៅនឹងមន្ទីរសន្តិសុខទាំងអស់នេះតើលោកអាចជម្រាបជូនតុលាការអំពីការងារលោកនេះបានដែរឬទេ Voilà, j'ai commencé mon enquête sur les prisons en 55 ឆ្នាំហើយក្រោយពីរបស់ផ្លែក្រហមក្នុងគាត់ទៅអញ្ចឹងតានោះខ្ញុំមិនមានអត់សម្លេងថតសម្លេងទេគាត់តែពេលដែលខ្ញុំទៅជួបនឹងជនជាតិភាគតិចទាំងអស់នោះដោយមូលហេតុថាទៅកន្លែងទាំងអស់នោះជាកន្លែងមូលដ្ឋាននៃការធ្វើបដិវត្តន៍ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មិនត្រឹមតែមន្ទីរសន្តិគមខាងសន្តិសុខនោះទេខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅរបៀបដែលខេត្តធំៗទាំងពីរ En 2015,
dehors de ces centres de sécurité qui sont spécifiquement mobilisés lorsqu'il est question de questions plus générales, comme par exemple le traitement de Cham ou le traitement des Vietnamiens ou certains sites de travail. Par exemple, le site de travail du 1er janvier dans la clôture, la formation du centre de sécurité de Wat Chang Dai. Je pense que vous avez étudié ce centre de sécurité lorsque vous avez effectué des recherches sur les centres de sécurité de la région de Kampong Thong. C'est ce que j'ai relevé dans le document E-32-18. Je note aussi que vous avez étudié plutôt la question que vous voulez poser, c'est est-ce que vous avez étudié le site de travail, je ne sais pas si vous avez qualifié le site de travail ou le centre de sécurité, de l'aéroport de Kampong Là, vous m'avez posé deux questions. Le grand barrage du 1er janvier au 6 janvier, il y a plusieurs noms, et d'une part, dans les semaines qui ont précédé ce tribunal, je n'ai pas revu toutes mes notes concernant toutes les provinces. Il a fallu que ce soit des mois de travail. Je ne sais pas, je n'ai simplement fait pour la région. Donc, j'ai plus pris en mémoire parce que j'ai tout revu de ce que j'avais donné au tribunal pour concernant la région Est. En ce qui concerne Kampong Thom, j'ai souvenance que pratiquement toutes les prisons dans la province de Kampong Thom étaient dans des pagodes. C'était pas le cas dans tout le reste du Kampong Thom. Donc, il est possible, je mentionne cette pagode, mais c'est loin dans ma mémoire, faudrait que je vérifie mes notes. D'une part, d'autre part, en ce qui concerne le champ de les chantiers, des grands chantiers de des grands barrages, Kampong Pui, Kampong Pui, Kampong Banteng Minjai, et celui du 16 janvier à Kampong Thom, je n'ai pas particulièrement étudié ces camps, ces champs de travail, donc je n'en sais pas plus que ce que vous savez déjà. Par contre, sur Krang Liu, je sais peut-être certaines choses. Mais là, à Krang Liu, c'est extrêmement difficile de parler de Krang Liu. J'y suis allé plusieurs fois, mais le chantier s'est étendu sur une période très longue de temps. Et le Krang Liu, au début du chantier, et le Krang Liu, à la fin du chantier, était radicalement différente. Il fallait que le lieu soit secret. Absolument. C'était une base secrète. Alors, est-ce que c'était une base pour l'armée? Voilà la grande question que je me pose. Est-ce que c'était une base pour l'armée claire cambodgienne quasiment inexistante? Ou est-ce que c'était une base aérienne pour les Chinois? Une question taboue que personne ne pose. Ce que je sais, c'est qu'il fallait que ce soit secret. Donc, je crois que c'était plutôt des coups d'élite qui ont été envoyés pour le début du chantier, qui était bien traité, qui était proche des conseillers chinois, qui mangeait plus ou moins la même nourriture, etc. Et que progressivement, la situation s'est dégradée, qu'à la fin, c'était des gens qui étaient des
des déplacés ou des déportés de la région Est qui étaient destinés à l'exécution. Donc, on entend des choses selon les témoins très contradictoires. Selon qu'on pense à la première période ou la deuxième période. Donc, il faut savoir que l'archéologie la plus importante qui reste du Cambodge démocratique. Si on veut connaître le Cambodge démocratique, il faut aller à Khmer. C'est dommage que le bureau du tourisme, le ministère du tourisme ne s'en soit pas tout à fait aperçu. Mais je pense que pour des raisons politiques, on ne peut pas trop montrer ce que les Chinois ont fait ici. Donc, pour l'instant, ça reste un lieu qui n'est pas visité. Mais par les touristes, c'est un lieu qui est extrêmement spectaculaire. Je vais rester concentré, Voilà, alors donc Khmer est un district qui est situé sur la droite du Mekong, si mes souvenirs sont droits. Donc la province de Kampong Cham a été divisée en deux, divisée dans la division administrative du Kampong Cham démocratique. Donc Khmer s'est trouvé dans la zone nord-centre, puisque les deux régions ont été mélangées. En effet, le nom me dit quelque chose, mais je n'ai pas révisé cette partie, je n'ai pas révisé mes notes, en effet. Par contre, je crois que Dutch a dit le mois dernier que le S21, on n'avait pas amené spécifiquement des gens qui étaient Cham. Je crois que je pourrais dire un peu la même chose dans mes souvenirs. Je ne me rappelle pas qu'on ait classé des gens comme Cham. En ce qui concerne ma collection de slogans, je n'ai aucun slogan contre les Cham. C'est-à-dire que ça renforce ma conviction que s'ils aient effectivement été davantage victimes que la moyenne de la population, entre 35% et 38% selon les estimations de Marek Lipinski, c'est pas parce qu'ils étaient l'objet de la vindicte du pouvoir en tant que minorité ethnique, mais parce que, premièrement, ils voulaient continuer à pratiquer leur religion, c'est-à-dire que tous les musulmans s'accueillent par jour, d'une part et d'autre part, en tant que particulier dans le district de Khmer, ils se sont rebellés. Donc, c'est pour rébellion qui est la faute la plus grave, évidemment. Je pense que quand on a massacré, d'après les témoignages que j'ai recueillis, les Cham, c'était pas pour les emmener en prison, mais c'était pour les exécuter sans autre forme de procès. Et je voudrais juste terminer en vous indiquant également que l'ordre de culture fait une mention d'un autre centre de sécurité qui est celui de Sach, pas sûr de bien le prononcer, c'est un centre de sécurité qui était également dans une pagode et qui était situé au village de Yéon, dans le sous-district de la commune de Rousseilok, dans la région de Siem Reap. Il est fait mention d'un certain nombre de meurtres. Lục Thiên, xin mời Lục Trà Cram an chmua mtī san sok nung lang vinh ne bo prai sdap ot ban chmua.
désolé de vous décevoir, Monsieur le juge, mais je ne peux absolument pas me rappeler. Dernière question concerne les slogans cette collecte de slogans s'est faite sur l'ensemble du territoire du Cambodge ou s'est faite sur certains endroits précis? Alors là, je vais un petit peu vous décevoir aussi. Quand j'ai collecté ces slogans, c'était par jeu. Je ne pensais jamais en faire une publication. Donc, je n'ai pas noté le nom des auteurs. Je n'ai pas noté le nom des lieux. Quelquefois, je l'ai fait pour deux ou trois endroits, donc c'est en note. Mais d'abord, je peux vous assurer qu'ils ont été collectés dans tout le pays. Absolument partout. Ils disent tous la même chose, en gros. C'est le fond, la pensée sont identiques. C'est la rue autrique qui peut changer. Alors, il n'est pas impossible qu'à Phnom Penh. Ça, c'est dommage que Monsieur Khieu Sampong ne peut pas nous donner des explications, parce que lui devrait le savoir si les grands slogans étaient choisis au niveau du bureau politique, du Politburo, du comité permanent de 870, diffusé à l'occasion de réunions de cadres, et puis... Je pense que les grands actes étaient donnés et il est possible que, vu l'inventivité des Khmer pour une, qui est une civilisation orale, à partir de grands thèmes qui ont été nationaux, faits par une équipe, beaucoup de ces mots sont très savants. Hein. C'est des mots palis, sanskrits, compte d'or, c'est un mot portugais que je pense la plupart de la population ne connaissait pas. Ces mots savants, ces grands slogans étaient lancés au centre et c'était un petit peu... aux responsables locaux de mettre en musique et en utilisant une rhétorique un peu différente, mais en gros, ils ont été collectés dans tout le pays et ils disent partout la même chose, donc c'est une preuve que le régime était bien hyper centralisé. បាទអរគុណហើយឥឡូវនេះអង្គជំនះមានអនីតិវិធីបន្តិចបន្តួចដែលត្រូវសួរបញ្ជាក់ដើម្បីឲ្យដំណើរការសម្មនាការនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងបាទប្រភេទទៅបានហើយតទៅនេះអង្គជំនះមានបំណងស្ដាប់នៅសារណាតមាត់របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងសម្ដៅមួយរបស់ក្រុមសហប្រតិបត្តិការពារក្តីគឺសុផុនដែលបានផ្ញើមកអង្គជំនះឡាតាបូង នឹងភិក្ខុនៅរុស្ស៊ីនេះតាមរយៈអ៊ីមែលដែលសូមឲ្យសូមការអនុញ្ញាតធ្វើការកត់សម្គាល់មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងសិភើដែលអ្នកជំនាញហេនរីឡូកាតរបស់ខ្ញុំនៅឆ្នាំ2013ហើយដំបូងនេះផ្ដល់វិទ្យាជូនទៅម្ចាស់សំណើគឺក្រុមសហប្រតិបត្តិការពារក្តីខៀវសំផនដើម្បីមានឱកាសបង្ហាញនៅសំណើរបស់ខ្លួនបច្ចៈដែលជូនអង្គសហប្រតិការជ្រាប Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. C'est une très brève requête qui suit en fait aux questions que vous avez posées à Monsieur Locard et à ses réponses. J'ai compris ce matin qu'il y avait parfois des différences importantes entre la version de son ouvrage en français « Pourquoi les Khmer rouges ?» sa version de 2013 et sa version de 2016. Et j'ai compris que ses réponses étaient un peu
Il avait indiqué qu'il y avait eu des nouvelles informations à la suite d'entretiens et aussi à la suite d'éléments obtenus dans le cadre de ces études de la procédure devant cette chambre. Comme toutes les parties, lorsque nous interrogeons un expert, c'est intéressant de savoir ses sources et savoir quels sont les éléments qu'il a utilisés pour arriver à certaines conclusions. Et pour une question d'efficacité de méthode, nous souhaiterions pouvoir utiliser la version 2013 et la comparer à la version 2016 pour savoir, lorsqu'il y a des changements, quelles ont été les sources et quels ont été les motifs de ces changements dans la nouvelle version. Dans la mesure où vous avez admis de façon globale les chapitres 3 à 11 de la version de 2016 de l'ouvrage de M. Locard, donc c'est votre décision E3-10640. Je voudrais qu'il soit également versé au débat pour que nous puissions les utiliser dans le cadre de notre interrogatoire. Les chapitres 3 à 10 de la version de 2013, étant précisé que je ne demande que les chapitres de 3 à 11, puisque dans la version de 2016, M. Locard pourra éventuellement corriger, il y a un chapitre supplémentaire. Donc, a priori, ce serait les parties correspondantes à la version de 2016 que la Chambre a acceptée en preuve et qu'il y a la possibilité d'avoir les mêmes chapitres de la version 2013 pour que, quel que soit le sujet, les parties puissent utiliser les deux versions et aller peut-être plus à l'essentiel en ce qui concerne les sources utilisées par l'expert. J'espère que ma demande est claire. Je suis prête à la préciser si vous avez des questions supplémentaires. Mais l'idée, c'est d'avoir au dossier et la version de 2013 et la version de 2016 des mêmes passages, des mêmes thèmes pour pouvoir utiliser les deux versions dans le cadre de l'interrogatoire. Je vois Madame la juge Fenn se prendre les mains dans la tête. Est-ce que c'est un problème de traduction, est-ce que je dois répéter ou est-ce que c'est clair pour la Chambre des parties? Je ne sais pas si je dois interpréter en français ce que vous avez dit, mais je crois avoir compris, peut-être que vous corrigerez. Si je n'ai pas compris, mais je crois que ce que vous souhaitiez, c'est avoir que soit versé à mis en preuve en fait, la version originale pour pouvoir voir quelles sont les différences avec la version actuelle. Voilà. Donc, vous souhaitez que ce soit un peu plus que la version actuelle, savoir y compris la version originale. C'est bien ça, ça me rassure de savoir que moi, en français, j'ai été comprise. Je pense que c'est bien ça, je pense que c'est bien ça, je pense que c'est bien ça, je pense que c'est bien ça. Je pense que c'est bien ça, je pense que c'est bien ça. Je pense que c'est bien ça, je pense que c'est bien ça, je pense que c'est bien ça. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame et Messieurs les juges. Je dois avouer que je n'ai pas pris connaissance de la requête sur notre intégralité pour des raisons techniques. Je n'ai pas accès aussi, mais en salle d'audience. Mais d'après ce que je viens d'entendre, il s'agit de surtout de pouvoir juste faire cette comparaison afin de pouvoir interroger M. l'expert. Donc, je n'ai pas d'objection par rapport à cette demande, sachant une fois que l'expert aura été interrogé, peut-être que les seuls passages qui seront concernés pourront être davantage isolés que de viser l'ensemble des 10 chapitres tels que la défense le demande. Mais quoi qu'il en soit, je n'ai pas d'objection à ce stade. 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 បាទអរគុណប្រធានវិទ្យាការទៅជូនក្រុមប្រឹក្សាមិត្តភាពនមុកតំណាងដើមរឹងរដ្ឋប៉ពីឌីបាទសូមគោរពលោកប្រធានលោកស្រីចៅក្រុមខាង
No observations, Mr. President. Can I just clarify? So this is an 87.4 request for the 2013 version, because the 2016 version is already admitted. Oui, on peut dire cela dans ces conditions. C'est une 87.4, même si nous, on ne peut pas dire que ce soit vraiment un nouveau document. C'est le document original tel que nous l'avions au départ demandé, demandé des parties, mais compte tenu de la déposition de Monsieur l'expert aujourd'hui, faisant état de nombreuses, modifications et du fait que la Chambre a admis tous les chapitres. Pour une meilleure clarté, c'est ça. Mais c'est 87.4. On doit mettre un label d'article sur la requête. C'est un problème purement technique maintenant. En partie technique, la version 2016 a été mise sur le share material drive. Pratiquement, même si on la déclare recevable, Je ne sais pas si elle sera prête pour demain, peut-être qu'elle pourrait être prête pour lundi. En tout cas, à tout le moins, ce que je peux faire, c'est dans le cadre de notre interrogatoire, en tout cas, essayer de trouver des correspondances comme nous l'aurons pu faire sur les parties. Mais là, je dois dire que c'est parce que la Chambre a accepté l'intégralité de ce chapitre que je suis aujourd'hui obligée de faire cette requête, donc je n'étais pas préparée à demander l'intégralité de ces chapitres. Donc, d'un point de vue pratique, la seule chose que je peux faire, c'est de dire que dans le cadre de l'interrogatoire de l'équipe de Kyo Sampan, nous nous attacherons à parler de pages de l'ancienne version en donnant les ERN de la nouvelle version si on n'a aucun de nos ERN, quitte à corriger plus tard, mais là je... Ou alors, ça aussi c'est notre possibilité, reporter la suite de la déposition de l'expert jusqu'à ce que ce problème soit résolu. Là je ne peux donner que cette possibilité pratique, à savoir de donner la page dans l'édition en français et le RN dans l'édition de 2016. Pour information, puisque M. Laverne m'a demandé, nous disposons de la version. HENRI Locard, สำนักการ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 สำนัก
ពីលេមកម្បួនហើយប្រកបឲ្យអនុរិយអំពីឃុំឃាំងនាំខ្លួនជន់ចប់ចោលតាំងពីរូបលោកនួនជានឹងលោកខៀវសំផនត្រឡប់ទៅកាន់មន្ត្រីឃុំឃាំងនៃអបតកបញ្ចុះនៅប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសកម្មភាពនៅថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនម៉ោង 9 ព្រឹកសម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោកឈរ